Salut à tous, c'est Foxto en facecam avec un micro. Oui, j'ai changé, je n'ai même pas de casque, j'entends pas mon retour, on verra en montage ce que ça donne. Donc, je ferai des vidéos unboxing, que ce soit du micro, de la perche, de l'AG03, de mon clavier qui vont bientôt apparaître sur la chaîne. Mais nous sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là plutôt pour parler des embeds sur Discord. Car comme vous le voyez, j'ai déjà fait des tutoriels pour faire un rich présence personnalisé Discord, mais aussi pour voir ses statistiques Discord ou encore la mise en forme des textes sur Discord. Donc maintenant, on va voir les embeds. Allez, let's go! Comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des embeds assez simplement via un éditeur en ligne qui s'appelle Discode. Ces embeds, vous allez pouvoir en récupérer le code JSON pour pouvoir les intégrer directement dans des bots. Vous allez aussi pouvoir directement les publier sur votre Discord via des webhooks. Nous allons voir comment. Cet éditeur très performant va aussi vous permettre d'éditer directement des embeds créés ou non avec ce même éditeur, ou tout simplement en récupérer pour la modifier et en reposter une autre. Durant cette vidéo, je vais aussi vous proposer un template que vous allez pouvoir retrouver directement sur l'article réalisé sur notre site web. Au sein donc de notre article, vous aurez juste à cliquer sur template et sur le lien. Sur notre Discord, vous allez pouvoir trouver divers embeds, tels que celle de bienvenue, celle des annonces aussi, vous allez pouvoir intégrer des emojis GIF directement sans avoir besoin de Nitro, ou encore des embeds de rôle réaction pour l'intégration des rôles, ainsi que des channels, mais aussi des emojis et des tags des users. Je vous retourne vers un précédent tutoriel posté donc sur ma chaîne, où je vous montre cet embed ainsi que toutes les fonctionnalités d'édition de texte, comme vous pouvez le voir ici. Tout d'abord, si vous voulez publier un webhook, vous allez devoir vous rendre sur Discord. Je vais passer par le web, mais passer par l'application téléphone ou de bureau, cela fonctionne aussi. Vous vous rendrez donc sur un serveur où vous avez la permission donc gérer les webhooks pour récupérer directement dans intégration, créer un webhook, copier l'URL du webhook. Cette URL, vous allez pouvoir la coller. En appuyant sur Send, ceci apparaîtra donc dans la channel où j'ai choisi de créer le webhook. En l'occurrence, c'est Giveaway sur notre Discord People of Hell. Vous pouvez aussi publier le même webhook sur plusieurs channels en tout simplement ajoutant des webhooks. Vous pouvez aussi ajouter donc plusieurs messages écrits par plusieurs personnes. Si vous voulez modifier un webhook déjà présent et que vous n'avez plus le code JSON, vous allez devoir passer par le bot de Discord. Il est déjà présent sur People of Hell, mais vous aurez juste à cliquer sur Discord bot et l'inviter. Ensuite, rendez-vous dans une channel, écrivez t.restore espace et collez l'URL de votre message. Ici, le bot vous donnera un URL. Vous pouvez l'ouvrir, vous aurez donc le webhook. En sachant que ce webhook a été créé par un autre bot, se nommant DraftBot. Vous voyez donc, on peut récupérer n'importe quel webhook écrit par n'importe qui dans n'importe quel channel tant que le bot Discode est présent sur celui-ci et que nous avons la permission adéquate. Pour le modifier, vous aurez juste à récupérer l'URL du webhook de la même channel et le coller ici. Après avoir recollé l'URL du message juste ici. Via Discode, vous pouvez aussi avoir des backups. Ici, j'ai des backups de plein de webhooks que j'ai créés. Comme vous le voyez, au début de l'édition, nous avons Content. Vous avez juste donc à écrire. Et ici, vous allez pouvoir tag des rôles. Tag des personnes, directement, ils vont recevoir la notification. Contrairement à si vous taguez des personnes ou des rôles directement ici, ils ne recevront pas la notification. Par contre, vous ne pouvez pas faire arrobase et le rôle. Vous allez devoir donc voir l'autre vidéo que je vous ai parlé juste avant. On peut aussi directement insérer des liens. Donc comme vous le voyez ici, je peux cliquer dessus, paf, et ça nous ouvre directement le lien. On va voir comment éditer le logo. Donc vous pouvez directement le modifier au niveau de votre intégration quand vous créez un webhook. Ici en mettant un avatar et un nom, mais je vous conseille directement de le faire ici. Comme ça vous allez pouvoir le personnaliser pour vos webhooks. Le nom s'affichera là. Et l'URL du logo, donc nous notre logo il a cette URL là, voilà. Ouais. Hop là, vous avez notre logo. Ici, vous pouvez mettre un fichier. Par exemple, je mets ceci. Directement, les gens pourront le télécharger. Donc, toujours avec la limite de 8 MB. Passons à l'édition de l'embed. L'auteur. Ici, le Foxto. Donc, c'est celui-ci. Vous mettez ce que vous voulez dans la limite de 256 caractères. C'est assez bien fait comme éditeur. L'auteur URL. C'est-à-dire, quand je vais cliquer ici, voilà, ça m'ouvre directement l'URL personnalisée. Donc, j'ai mis celle du site de mon profil. Voilà. Et l'icône, donc l'icône, c'est tout simplement le petit icône. Ensuite, au niveau du body, nous avons le titre ici en bleu, cliquable.
avec l'URL ici. Donc pareil, si je clique dessus, hop, l'URL y s'ouvre. Ceci, c'est la barre de gauche, en sachant que si vous mettez pas l'URL, donc le titre, il est blanc. CTRL Z pour revenir avant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous taquez des rôles, bien sûr, ils ne seront pas notifiés. Filtre, c'est assez intéressant car comme vous le voyez ici, j'ai deux colonnes. Donc vous pouvez mettre plusieurs colonnes en cliquant sur Inline. Vous voyez, si j'enlève le Inline, ça se mettra juste en dessous. Et là, ça se mettra sur le côté. À noter que le nom est obligatoire. Si j'enlève le nom, ça me met une erreur. Donc toujours, et c'est obligatoire, mettre un nom, field name, sinon vous ne pourrez tout simplement pas l'envoyer, ou alors ça ne va tout simplement pas s'envoyer. Vous aurez un message d'erreur. Ici, vous mettez donc ce que vous voulez, pareil, c'est pareil qu'au-dessus. Par contre, il faut aussi donc cocher le inline. Vous voyez, s'il y en a deux qui sont cochés en inline, ça passe. Si ici, j'en rajoute un troisième, donc je mets ceci, je crée inline, vous pouvez avoir trois colonnes. Si j'en mets un quatrième, vous voyez, ça ne passe pas, donc on est limité à 3 colonnes. Après, ça va dépendre aussi de la taille de votre écran, c'est-à-dire que sur téléphone, tout va se mettre en une seule colonne et pas en deux colonnes. Au niveau de l'image, comme vous le voyez en bas de Embed, j'ai une première image en GIF. Je peux en mettre une deuxième, une troisième et une quatrième. Comme vous le voyez, elles vont se mettre une à côté et ensuite en dessous. Vous pouvez jouer avec ça pour créer de jolis assortiments d'images, de jolies mosaïques. Vous pouvez mettre des gifs, vous pouvez mettre n'importe quoi tant que c'est héberge. Thumbnail veut dire la vignette, c'est pour ça qu'elle va se mettre donc à droite du titre et de votre pseudo. Au niveau du footer, donc ici en bas, vous pouvez mettre un URL, donc l'icône, voilà, je peux aussi mettre le J, ça fonctionnera. Au niveau du footer tout simplement, là vous pouvez mettre n'importe quoi, voilà, je suis trop beau, c'est moi Foxto. Et un truc très très intéressant, c'est le timestamp, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre n'importe quelle date. Ici ça vous affichera juste la date, par contre quand vous allez le publier, ça va vous mettre today, ou alors telle heure de tel mois, mais il y a, en mode il y a 3 mois, il y a X jours. Vous pouvez aussi ajouter un message, donc entièrement vous avez le content qui revient, le profil, le lien, voilà. Au niveau du JSON, vous avez directement l'éditeur et vous pouvez récupérer le code source. Ce code source va vous servir par exemple pour des bots, etc. Je trouve vraiment que ceci va simplifier la vie de tout le monde. En tout cas, moi je l'ai utilisé comme vous l'avez vu pour le bot de bienvenue, où j'ai tout simplement créé le truc de base en mettant bien sûr les trucs pour les users, etc. directement dans l'éditeur, et je n'ai eu aucun souci avec le bot de bienvenue ici, Welcomer, à l'intégrer. Clear All sert à supprimer tout votre message. Voilà, voilà. Et donc, vous avez perdu toute trace. Vous ne pouvez même pas faire de CTRL Z, soyons clairs. Voilà, vous avez vraiment tout perdu. Vous pouvez aussi partager votre message. Donc, le lien directement, les gens, ils auront le message entier. Allez dans Settings pour avoir le mode Light, le mode Compact. Donc, vous aurez une plus petite Embedded Font Size. Si vous voulez des précisions sur certaines parties, etc., sans avoir besoin de revoir toute la vidéo ou de revoir les parties concernées, vous pouvez directement aller vous rendre sur l'article, où vous avez des raccourcis avec toutes les étapes que je viens de vous expliquer une par une, détaillées avec des schémas, des couleurs. Tout simplement, vous simplifiez la vie. Sur l'article, il y a d'ailleurs une chose en plus qui est ajouter des rôles réactions. Ça vous explique tout simplement une technique qu'on utilise sur PeopleOffel qui est très simple. Vous voulez pas coder tout simplement. Pour ajouter des réactions sans limite de premium avec des bots, par exemple Missis, etc., c'est CarlBot. Avec lui, c'est très simple. Vous allez dans Manage, vous sélectionnez votre serveur, vous allez dans Reaction Role, vous cliquez sur Create New Reaction Role. Avant de vous laisser, donc je voulais juste vous inviter à venir sur notre Discord. Si vous avez n'importe quel problème, je serais ravi de vous aider, que ce soit donc pour le rich présence personnalisé ou alors pour la création d'embed ou de la mise en forme de votre texte sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description, ainsi que tous les liens utiles vers le template ou l'article complet qui se trouve sur notre site web. Allez, ciao les amis, ciao tout le monde, c'était Foxto avec Foxta juste derrière qui étudiait sa philo pour le bac. Ciao tout le monde, à bientôt. Coupé.